Le coup d'envoi de cette deuxième rencontre de la 20e journée de Liga. Elche reçoit le FC Barcelone des Blaugrana avec un seul objectif. Remporter un 15e succès cette saison en Liga qui leur permettrait de revenir à une longueur du Real Madrid. Il va la bloquer Léo Messi pour Xavi, deuxième poteau vers Jordi Alba qui prend sa chance en première intention. C'est juste au-dessus de la barre transversale de Premislav Tito. Est-ce que ce sera direct cette fois-ci de la part de Messi? Eh bien oui, c'est frappé directement. Oh, ça passe juste à côté de la lucarne gauche de Premislav Tito. Et l'orientation de Faisal Pazalic. Avec Jonathan Silva avant l'arrivée dans le couloir droit de Fajr. Le voici servi, Faisal Fajr la frappe, première intention. L'arrêt de Claudio Bravo. C'est parti pour l'ancien Canet, c'est bien enroulé le petit rebond devant Claudio Bravo. Et c'est une nouvelle phase arrêtée, rapidement joué avec Piqué. Piqué au deuxième poteau et l'ouverture du score en faveur du FC Barcelone. Gérard Piqué complètement oublié au second poteau qui vient inscrire son 17e but en Liga, son 3e cette saison. À l'occasion de son 200e match aujourd'hui dans le championnat espagnol. Efran Escriba qui est fou furieux, l'entraîneur d'Elche. Rafinha qui a Neymar dans son dos, il va le trouver. L'attaquant brésilien Neymar à grandes enjambées dans la surface de réparation, accroché. Penalty, logiquement désigné par monsieur Klaus Gomez. Neymar qui avait pris de la vitesse et qui a fait la différence face à Sergio Pellegrini. Reste à savoir la décision de monsieur Klaus Gomez derrière. Et il prend de nouveau ses responsabilités, Léo Messi. Tranquillement pour battre Premislav Tito, 2-0 en faveur du Barça. Ça n'a absolument pas fonctionné. Messi, il est passé Messi pour Neymar. Neymar, 3-0 en faveur du FC Barcelone. Grâce à Neymar qui a inscrit son 13e but cette saison en Liga sur un superbe service de Léo Messi. Alors on le disait, il ne parvenait pas à prendre le dessus dans son duel face à Damien Suarez. Eh bien, il a fallu un excellent travail de Léo Messi. Pedro qui est resté au sol, Neymar, le 1-2 a fonctionné avec Messi. Neymar, le doublé pour l'international brésilien. Et là les choses deviennent beaucoup trop faciles pour le Barça qui mène désormais 4-0 grâce à un doublé signé Neymar. Et toujours cette relation entre les deux génies du Barça, Neymar et Léo Messi. Quelle remise de la part de Lionel Messi. C'était le résultat déjà le 15 janvier dernier. En 8e de finale, retour de la Copa del Rey. Attention à Messi. La frappe de Messi et 5-0 en faveur du FC Barcelone. Doublé de Neymar. Doublé de Lionel Messi. Assez dur. C'est dur et très très lourd pour les joueurs de Fran Escriba. C'est encore une fois très bien défendu de la part du jeune défenseur central du Barça. Ballon relancé par Rafinha avec Neymar. Et il peut aller au bout. Et il peut aller au bout Neymar, c'est ce qu'il va faire, le centre deuxième poteau avec l'intérieur du pied de Pedro. 6-0 en faveur du FC Barcelone. Tout l'altruisme de Neymar pour s'offrir une quatrième passe décisive cette saison et servir idéalement Pedro. Elche 0, FC Barcelone 6. Victoire 6-0 du FC Barcelone. Un doublé signé Léo Messi, un doublé signé Neymar. 15e victoire cette saison pour le Barça qui revient à un point du Real Madrid.